Billy de Montfort, Best of Sly, c'est deux chances. Le mal, l'autre jour, il est parti au galop un petit peu. Mauvais parcours, un peu en dehors. Et puis, il finit pas trop mal en retrait. Mais voilà, c'est un poulain. Il va falloir être tout près de la tête pour vraiment donner le maximum. Et puis, Billy, l'autre jour, elle court enfermée. Elle aurait dû gagner. Mais bon, elle est enfermée. Mais elle prend pas dur. C'est une jument qui a de la classe quand même. C'est quand même la meilleure qu'on ait en ce moment dans l'écurie, dans les baies. Donc, on y compte quand même. C'est une jument qui va. Alors Billy de Montfort, je vais la reprendre, on la reprend demain. Donc on va essayer de l'endurcir un peu plus sur la ligne droite en montant, parce qu'elle faisait que la piste ronde pratiquement, parce qu'elle est venue deux, trois fois ici. Bon, on va essayer maintenant l'endurcir pour l'avenir, pour cette année sur la ligne droite en montant. Parce que faut quand même, au bout des moments, des fois on a de la marge un petit peu, mais après on n'a plus trop la marge. Donc je sais que moi j'ai toujours souvent quand je présente des poulains, ils sont travaillés sur la piste ronde. Et ils ne sont pas trop endurcis sur les pistes en montant. Et je sais que j'ai toujours cette marge-là après pour essayer de les endurcir après. Comme j'ai fait avec l'Astor du Ken, tout ça. Au début, c'était normal. Et puis, à force de travail et puis l'endurcir, il est devenu bon. Enfin, meilleur. Best of Fly, bien en dessous de Billy de Montfort ou... Non, après, c'est une question de parcours. Au boulot, Billy est meilleur, mais il est plutôt gêné par son allure. Il a une grande allure assez rasante, comme ça. Il force un peu. C'est surtout ça qui l'handicape, ce choix-là. C'est un cheval vraiment de piste plate. Je pense qu'on faudra faire en gain ce choix-là cet été. À Vincennes, il reste un peu, je pense, en dessous. La montée, l'autre jour, on a vu, il était dans le dos du cheval à Brutus de Bailly. Il n'a pas pu le suivre en montant parce qu'il n'a pas le même coup de jarret pour monter la côte. Donc voilà. Okay. Mais c'est bien quand même.